Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cowcot TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du AH-T600 de Thermaltake, le boîtier supercopter de la marque. Boîtier supercopter car ce dernier s'inspire du style d'un hélicoptère. Le boîtier se veut aussi colossal, il fait 20,6 kg, il fait quasiment 70 cm de profondeur, plus de 60 cm de hauteur, il est intégralement en acier, propose pas moins de 1, 2, 3, 4, 5 panneaux en verre trempé et vous pourrez installer des tonnes et des tonnes de water cooling à l'intérieur. Alors on peut déjà vous dire 3 radiateurs en 360 mm, c'est possible. Son prix 299 €, il est à découvrir tout de suite maintenant sur Cowcot TV. On commence comme toujours avec les tech specs. Ce boîtier est au format EATX, il fait 20,6 kg. Au niveau des dimensions, on est sur quelque chose d'assez colossal puisque le boîtier fait 628 mm de hauteur, 337 mm de largeur et 763 mm de profondeur. Comme on le disait, il est compatible EATX, vous pourrez mettre des cartes graphiques de la taille que vous voulez, vous pourrez mettre 2 HDD ou 3 SSD. Au niveau de la limitation des ventirats de CPU, on est sur 195 mm et on est sur 440 mm pour les cartes graphiques, 200 mm pour l'alimentation. Pour le water cooling, ça sera open bar. On pourra mettre du 480 ou du 420 mm à l'avant, du 360 ou du 280 mm dans la partie haute et du 360 ou 280 mm sur le côté droit. On vous parle maintenant du style. On est sur un style hélicoptère, camouflage Sibérie, puisqu'on est sur la version Snow du boîtier. On a cette partie avant qui est en plastique moulé, qui intègre des panneaux en verre trempé. On a également des grandes ouïes latérales factices qui sont elles également en plastique moulé. Ensuite, on a tout le reste de la structure du boîtier qui est en acier. On a 2 panneaux en verre trempé, un sur le côté gauche, un sur le côté droit. Et bien sûr, on est sur un boîtier de type open air, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre et l'air pourra circuler très librement à l'intérieur de ce dernier. Derrière la face avant, qui est donc constituée principalement du cockpit, on va retrouver une première grille qui va permettre l'installation de 3 ventilateurs en 140 mm ou 4 ventilateurs en 120 mm. Pour le water cooling, ça sera 420 ou 480 mm. Sur le côté gauche, on retrouve les vis à main qui vont permettre de démonter la partie supérieure. On retrouve les mêmes de l'autre côté et on a un panneau en verre trempé, 3 mm d'épaisseur pour ce modèle. C'est maintenu avec une grosse vis à main qui est montée sur un gros rubber en caoutchouc. On démonte, on a les charnières et ça permet de démonter la porte très facilement. On retrouve exactement le même système du côté droit. À l'arrière du boîtier, on va retrouver cet emplacement un peu vide mais à destination de la carte mère et de la plaque IO Shield de cette dernière. Ensuite, on va avoir 8 slots d'extension. Vous voyez, ils sont tous à 90 degrés mais on pourra les démonter pour les changer de sens et les placer plus classiquement. Dans la partie basse, on a l'emplacement à destination de l'alimentation et on retrouve des petits rubbers en caoutchouc. Sur le côté gauche, on retrouve de nouveau le panneau en verre trempé avec la vis à main, les 2 charnières, les 2 autres vis à main pour démonter la partie supérieure. On voit par transparence la platine qui va permettre l'installation des SSD ou des HDD. Enfin, on voit ici les différents espaces qui seront disponibles pour passer les câbles, mais aussi démonter le plateau de carte mère avec les différentes vis à main. Sous le boîtier, structure en acier avec 2 énormes pieds en plastique qui sont équipés chacun de 4 patins en caoutchouc. On termine sur la partie supérieure de ce AH-T600. On a tout d'abord ici le panneau de contrôle avec le power on qui s'illuminera en bleu. Ensuite, on va le reset, la diode HTD, HDD, les entrées sorties audio, un USB 2.0, 2 USB 3.0, un USB type C avec connecteur spécifique pour la carte mère. Ensuite, on a une grille d'aération et sous cette grille d'aération, on va retrouver une platine qui sera capable d'accueillir 3 ventilateurs de 120 mm ou 2 ventilateurs de 140 mm ou alors des radiateurs de water cooling en 360, 280 mm. On découvre maintenant l'intérieur de ce AH-T600 et on va avoir beaucoup de choses à dire. Alors, pour pouvoir découvrir l'intérieur, sachez déjà qu'on a retiré la partie supérieure. Donc, c'est un grand cache en aluminium comme ça qui est maintenu avec 2 énormes vis à main de chaque côté. ça se positionne comme ça sur le dessus du boîtier et ça permet d'accéder à la grille qui est sur le dessus. La grille sur le dessus, elle est compatible 3 × 120 mm ou 2 × 140 mm. Pour les radiateurs de water cooling, on est sur une compatibilité dans le top en 360 mm et 280 mm. Alors hop, on retire la partie supérieure. Aluminium de acier, pardon, pour cette partie-là. Ensuite, on va avoir le large accès backplate, des passages absolument partout et cerise sur le gâteau. Ce plateau de carte mère qui est au format EATX maximum est amovible. On a 3 vis à main à l'arrière, 3 vis à main à l'avant, dans la partie supérieure. Et ensuite, 2 vis ici et là, et on pourra retirer le plateau de la carte mère. Le plateau de la carte mère, il est fixé au petit support d'alimentation qui vient en fait donner un petit peu plus de rigidité. Donc c'est très simple à faire et ça permet d'installer la carte mère, les cartes filles, indépendamment de l'intérieur du boîtier. Et comme ça, vraiment, ça c'est une très bonne chose. Ça facilite grandement la tâche. Sur ce plateau de carte mère, ici, on a des tonnes d'emplacements. Des emplacements qui sont en 3 × 120 mm ou 2 × 140 mm. On pourra mettre aussi du radiateur de water cooling en 360 et 240 mm. Si on passe maintenant à l'avant, vous voyez bien l'avant. On a une nouvelle grille dans le fond. La grille, elle est amovible, mais attention, elle n'est pas très accessible. Elle bascule bien comme ça, mais pour pouvoir aller la démonter, il faudra démonter cette partie et donc retirer 2 vis. Cette grille, elle est compatible 4 × 120 mm ou 3 × 140 mm. Et pour le radiateur de water cooling, on sera en 420-480 mm maximum. Donc si on récapitule, on peut mettre 480 mm ici, 360 mm ici, 360 mm dans la partie haute ou 280-420 mm. Donc autant dire qu'on peut y aller costaud sur le water cooling. Ici, dans la partie basse, amovible avec une petite vis à main. On a le support qui va permettre d'installer les pompes ou les réservoirs. Alors on vous montre, ça se défait très facilement. Et donc on a différents points d'attache. Mais on n'en a pas fini. Parce que si vous regardez un petit peu ici, vous avez 8 slots d'extension qui sont à 90 degrés. Alors les 8 slots sont à 90 degrés. On n'en a pas uniquement 2, c'est-à-dire qu'on pourra mettre 2 cartes graphiques par exemple en SLI ou une carte graphique, un SSD PCI Express. Vous le verrez après quand on va passer au montage. C'est ce qu'on a choisi comme solution. Mais ce cache, il est maintenu avec 3 vis sur le côté gauche, 3 vis dans le bas, 2 vis ici sur le côté droit. Vous pouvez retirer les vis et passer les 8 slots d'extension de façon horizontale, verticale, je ne sais plus, on est un peu perdu. Bref, vous pouvez retourner pour installer les cartes graphiques classiquement. Alors, a-t-on autre chose à dire? Au niveau du plateau de l'alimentation, ici, on a des grands rubbers en caoutchouc et vous le voyez, on est vraiment blindé de passages pour pouvoir faire le câble management et on va découvrir ça en passant derrière. On passe donc à l'arrière. À l'arrière, on a tout d'abord ce support amovible toujours avec une vis à main. On démonte ici, ça coulisse et on a 3 petits plateaux SSD 2,5 pouces montage par vis. Ensuite, à l'arrière, si vous retirez les plateaux SSD, vous pourrez aussi monter 2 disques durs 3,5 pouces. Ça voudra dire que vous pourrez installer au maximum 3 SSD ou 2 HDD ou 1 SSD plus 1 HDD. Donc au niveau stockage, il faudra vraiment miser sur le M2. On vous montre, on a ici les points d'ancrage, vous voyez, avec 3 vis à main pour le plateau de carte mère qui est amovible. Et ici, on va retrouver en fait un système avec des scratchs qui va permettre de regrouper une partie des câbles au centre. Le boîtier est bien fait puisqu'on a cette grande goulotte dans la partie basse qui permet de dissimuler des câbles. Vous allez le voir quand on va passer au montage. Et ensuite, tous les petits carrés que vous voyez ici, ils permettent tout simplement d'installer différents colliers pour pouvoir faire des regroupements. Place à notre AH-T600 avec la configuration montée à l'intérieur. Alors on l'a vu, le plateau de la carte mère il est amovible, donc ça facilite beaucoup les choses, d'autant plus qu'avec le plateau de la carte mère qui est amovible, on a également les slots d'extension qui sont amovibles. Les slots d'extension, c'est 90 degrés ou dans le sens classique, et on pourra mettre par exemple, Vous avez vu, ici on a deux risers. On a un riser pour la carte graphique et un riser pour un SSD PCI Express. Juste en dessous, on a l'emplacement de l'alimentation. Attention, le support d'alimentation sert de support au plateau de la carte mère et au slot d'extension. C'est-à-dire que si vous retirez le support de l'alimentation, que vous remontez le plateau de la carte mère, vous ne pourrez pas réinstaller le support. Le support n'est pas là pour venir monter l'alimentation une fois qu'on a monté le plateau de la carte mère. Il faut bien laisser le support en place. On installe l'alimentation dans la partie basse. Ensuite, on vient remettre notre support pour la carte mère et le support pour les slots. Pour le refroidissement, vous mettrez tout ce que vous voulez à l'intérieur, hein, c'est 3 x 140 mm à l'avant. On a installé deux ventilateurs nous pour le montage. On pourra être aussi en 3 x 120, on pourra être en 3 x 120 dans la partie haute. D'ailleurs, on a mis un AIO en 360 mm dans cette partie haute. Vous le voyez, on a des passages absolument partout pour organiser les câbles. Vous avez différentes platines qui sont disponibles. Si vous installez un water cooling custom et que vous avez besoin d'installer votre pompe et votre radiateur de water cooling, vous avez cette plateforme que vous pourrez installer. Et si vous voulez installer des tonnes de SSD, nous on a fait SSD M2, SSD PCI Express, vous avez également la platine qui va à l'arrière du plateau de la carte mère. Le montage est extrêmement propre, on l'a déjà dit. De toute façon, on est sur un boîtier open air, open frame, et vous allez voir à l'arrière du plateau de la carte mère, en plus c'est bien organisé et on peut avoir un montage qui est très propre. On passe donc à l'arrière du plateau de la carte mère, comme on vous le disait. On a ici l'énorme accès backplate, donc si vous voulez mettre du waterblock ou du ventirad custom et modifier tout ça, il n'y aura pas de problème. Et vous voyez, on a des dispositifs partout pour mettre des petits colliers. Donc on va pouvoir faire passer nos câbles où on veut. Là on a le 8 pins CPU et une partie du système qui vient alimenter le système RGB du water cooling. Et ici on a les passages avec les différentes bandes de scratch qui vont permettre de regrouper le 24 broches ATX ou encore les deux 8 pins PCI Express de la carte graphique. Ensuite vous voyez, on descend sur le côté et dans cet espace ici où on a l'aluminium qui est recourbé, on a aussi la possibilité de venir dissimuler les câbles. On aurait pu les faire passer plus par là, plus revenir par ici. Vraiment, ça donne un très bon résultat et vous pourrez vraiment mettre absolument tout le matériel que vous voulez à l'intérieur et mettre des tonnes de câbles derrière le plateau de la carte mère, puisque vous avez en gros l'espace de quasiment une main avant que le panneau en verre trempé vienne vous embêter. On découvre maintenant notre AH-T600 avec la configuration allumée. Alors bien sûr, le boîtier arrive livré sans ventilateur, sans RGB. Il faudra donc installer vous-même vos propres composants si vous voulez profiter d'un spectacle arc-en-ciel. Alors, pour notre part, on a installé deux ventilateurs de 240 mm à l'avant en RGB. On a un flooring en 360 mm dans la partie haute avec du RGB sur les trois ventilateurs. On a la base avec le water block également en RGB, de la tough RAM en RGB et une GTX 1080 Ti de chez Zotac en RGB, avec aussi notre petite SSD Aorus qui a lui aussi le droit à du RGB. Et vous le voyez, le spectacle est plutôt sympathique. Alors on va vous parler un petit peu du refroidissement. Comme le boîtier livré sans ventilateur, si vous ne mettez pas de ventilateur, les performances ne seront pas bonnes, ce qui semble assez logique. Après, on est sur un boîtier typé open air, donc c'est-à-dire qu'on n'aura aucune restriction par le boîtier au niveau du refroidissement, mais on n'aura pas de filtration non plus. Donc les performances du boîtier seront tout simplement liées aux composants que vous allez installer à l'intérieur. Bref, ça va très bien respirer, mais ça prendra aussi la poussière. C'est du open frame, tout simplement. Au niveau des nuisances sonores, bah, comme le boîtier est livré sans ventilateur, vous vous en doutez, on a 0 dB en charge, au repos, puisque le bruit dépendra également des ventilateurs qui seront installés à l'intérieur du boîtier. Bien sûr, comme on est sur un châssis open frame, il n'y aura pas beaucoup d'isolation phonique, donc vous entendrez absolument tous les ventilateurs que vous allez installer à l'intérieur de ce dernier, sauf si ce sont des ventilateurs extrêmement silencieux. Après, le résultat, on aime ou on n'aime pas. Il n'empêche que ce AH-T600 en impose beaucoup avec son petit faciès d'hélicoptère ici. Comme on vous le disait juste avant, le montage est hyper simple grâce au plateau de la carte mère qui est extractible. Donc ça vraiment c'est un véritable plus pour le montage. Ensuite on a de la place, il n'y a pas de difficulté particulière. C'est facile de regrouper tous les câbles à l'intérieur, on a des systèmes de scratch. Donc montage plutôt facile et toutes les grosses parties se démontent facilement. Juste un point, cette face avant ici, pour pouvoir accéder au ventilateur, on est obligé de démonter cette partie, plus la partie ici avant. Ensuite, on retire deux vis. Donc, c'est le seul endroit qui n'est pas très accessible. On aurait préféré avoir des petites vis à main par l'intérieur pour pouvoir faire basculer la grille. Sur ce, on en a fini du tour complet de ce AH-T600 par Thermaltake en version Snow, donc blanc. On se donne rendez-vous très prochainement sur cowcotland.com pour toutes nos news, tous nos articles et sur Cowcot TV pour toutes nos prochaines vidéos.